Alors, comme c'est responsive, on peut rétrécir l'écran à l'envi. Tout s'adapte suivant les écrans. Des écrans de téléphone marche aussi. Tablette, pareil. Alors, ce qui se trouve ici en dessous est publié à partir de la page Facebook. Et à partir du moment où on introduit, où un gestionnaire de page introduit Top Tweet dans ce qu'il publie. Mais il est possible de conserver la main sur ce qui est publié là-bas, puisque si je retourne sur la page, et que je décide que cette publication ne doit plus figurer sur mon site principal, sur ma scène principale. Je peux ici modifier ma publication, enlever le hashtag, et dans ma page ici, la publication ne sera plus resyndiquée. Donc, on a encore la possibilité d'interagir avec le contenu publié. Et de même, on peut faire remonter quelque chose qui aurait été publié, qu'on aurait envie de voir revenir. Il y a toujours possibilité d'aller la modifier. À l'envers, ça marche aussi. Voilà pour cette petite leçon. Alors, la page multimédia ici contient en fait une galerie photo. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le thumbnail d'ailleurs. Une galerie photo. Pour ajouter des photos à cet endroit-là, il faut publier les photos dans l'album dédié à cela et qui s'appelle Tom Photo. Mais on a toujours également la possibilité d'aller chercher une photo qui aurait été publiée dans le journal, comme celle-ci par exemple, et de décider qu'on va la pousser dans l'album. Donc on va pouvoir déplacer dans le tome photo. Voilà. Et ça veut dire que maintenant, je ne sais pas si j'ai mis mon cache ou pas, sur le site internet, on va retrouver les deux photos. Même chose, si je souhaite... pardon. Si je souhaite... enlever une image, je peux la supprimer ou tout simplement la déplacer dans un autre album. Bien, ah, elle n'avait peut-être pas les droits. Un album qu'on peut appeler archive. Voilà. Pour ce qui aurait été publié, et donc cette photo va disparaître du champ. Il n'y en aura plus qu'une. Donc, et je peux évidemment publier avec mon mobile, ma tablette, peu importe. Hein, j'ai vraiment la possibilité ici d'aller, de dire, tiens, je vais aller dans mon contenu, dans mon journal. J'ai envie d'ajouter quelques photos là, par exemple celle-ci. Donc pour peu que ça ait été photographié avec Instagram, mais redistribué sur
Facebook en mettant les photos dans l'album correspondant. On ajoute automatiquement ces photos ici. À droite, ce sont les newsletters qui ont été envoyés et qui sont donc archivés. Un exemple ici. Et là, nous avons les vidéos. Alors ça, les vidéos vont se gérer à partir de la chaîne YouTube. Une chaîne qui est la chaîne Couvain TV, qui est une chaîne associée à une page Google+. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs administrateurs sur cette page. Et nous avons dans les playlists créé une playlist Thomas Vrek TV. Donc je peux réorganiser ma playlist puisque c'est ce qui détermine la position des vidéos. C'est ce qui détermine la position des vidéos sur ma page. Donc je peux en manipulant ici. Non, c'est pas ça, pardon. En manipulant l'ordre dans la playlist, on va pouvoir décider de quoi vient où. Définir comme miniature, voilà. C'est bon. Il n'y a plus besoin de sauver maintenant. Non, c'est bon, ça je pense. Donc ma playlist ressemble à ceci maintenant. Et on va voir que le site internet ici. Mais là, je crois qu'il y a un cache. Mais enfin, bon, les vidéos se réorganisent en fonction, voilà, de l'organisation. Donc là, je pense qu'il y a encore la place pour en mettre une en largeur. Et puis, on en met autant qu'on veut. Ça se dépliera vers le fond. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, si ce n'est que je vous invite à aimer la page, suivre le flux Twitter, on va le tester en passant. Ok, c'est bon. Ok. On va pas terminer là-dessus. Bonsoir. Dans Aller-Retour, le mercredi après-midi sur Viva, c'est le débrief de The Voice Belgique. Bonjour Thomas Vrek. Bonjour. 26 ans qui nous vient de Chimay, le débrief de l'émission, ou plutôt des émissions, bah c'est facile, vous êtes un des plus fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes un des talents en plus. Oui. Donc forcément, hier vous étiez calé devant le petit écran aussi. Oui, tous les mardis. C'était un peu particulier hier, c'est un peu massacre. Oui, mais on a vu beaucoup. Mais pas là pour écouter, vous n'avez qu'à aller sur le site, hein. Et ben...